Ce soir, faut qu'on trouve une jungle. Absolument, il faut qu'on trouve une jungle. Ouais, mais il y a un village là-bas. Parce qu'il y a ce village-là qu'on a... Mais attendez, on est où, là? Putain, il y avait un village juste à côté, eh. Mais c'est adorable. Eh, mais regardez ce cheat. Eh ben voilà, on a une nouvelle template, regardez. On a un nouveau template. Oh, c'est génial. Là, ça va aller vite. Bon, voilà, 8 émeraudes. C'est déjà pas mal. Là, vous savez ce qui me déprime? Voilà, c'est qu'il n'y a que des biomes neige. Et même si on trouvait un biome jungle... Ah, il y a encore un village, on va y aller. Même si on trouvait un biome jungle maintenant... J'ai un perroquet! Attends, j'en fais... On va faire un élevage de perroquets. On va faire un élevage de perroquets. Eh, messieurs! Let's go! Oh là là, j'en ai deux sur WAM, carrément! Ah, je suis content, vraiment, de tout ce qu'on a ramené. Eh! Eh, ils sont où, mes perroquets? Ils sont où, mes perroquets? Leave this place behind, no matter what they say. Eh bien salut à toutes et à tous, la M Compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Tarzan. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de notre incroyable aventure sur Madventure. Et je suis bel et bien à ma base, avec cette magnifique maison. Attendez, on regarde encore un petit peu le toit. On se retrouve à la base avec un arbre de jungle qui a pop ici, c'est que du bonheur. Alors je vais le couper en même temps de vous parler, je vais faire une coupure le temps de terminer l'arbre, je vous rassure, dès le début de l'épisode. Alors vous avez vu, eh bien voilà directement, comme ça j'ai pas besoin de me répéter. Pour ceux qui ont raté le dernier live, voilà, je vous ai mis les extraits les plus importants par rapport à l'aventure, donc du dernier live où nous avons donc trouvé une jungle. Mais réellement, hein, on a fait plus de 4000 blocs, c'était infâme, crois, 1h30 aller-retour dans la vraie vie, d'accord, 1h30 aller-retour. On a pu récupérer donc du bois de jungle, donc les pousses de bois de jungle pour faire pousser justement le bois de jungle comme vous le voyez. Et en fait je vais même pas faire de coupure parce que ça coupe relativement vite. Donc là on va récupérer les pousses également. Ah bah voilà, super. J'ai récupéré du bambou qui est ici. Alors les amis, j'avais dit que je ferais donc une machine pour une usine pour récupérer du bambou automatiquement. Mais en fait non, il faut qu'on aille dans le nether d'abord. Et j'avais oublié ce détail, en fait il faut qu'on crafte des observer blocks. Et pour ça il faut du quartz. Donc on ira dans le nether les amis très, très rapidement, vous inquiétez pas, dans le prochain épisode de toute façon. Aujourd'hui on va faire de l'enchantement puisque j'ai un deuxième livre mending les amis. Je vous l'ai pas mis au début de la vidéo, j'ai oublié. Mais on a donc un deuxième livre mending. J'ai fait des échanges avec les villageois puisqu'il y avait un village vraiment à côté. Et puis voilà, maintenant avec le bambou on se fait des émeraudes très facilement. Donc c'est que du bonheur. Oh là, regardez, un stack de bois de jungle. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Plus d'un stack de bois de jungle, excusez-moi. Excusez-moi, incroyable. Alors on va replanter directement. Ah mince, il me manque, il me reste un bois là-haut, non. Oh l'angoisse, attendez, je vais vite la récupérer. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que votre journée se passe bien jusqu'ici. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. Voilà, c'est les trois petites choses que je vous demande en ce début d'épisode finalement. Et encore merci à tous ceux qui me découvrent sur Twitch là en live, vous êtes de plus en plus nombreux à me découvrir pour le coup. Et ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Alors voilà, donc pour le bambou, bah, je le récupère à la main, hein. Voilà, en attendant, je n'ai absolument pas le choix. Alors, des petites pousses par ici. Bon, on reviendra chercher. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Donc le bambou, le bois de jungle. J'ai récupéré des loups également. Donc les reproductions peuvent reprendre. Ah, bah oui, bah du coup, n'hésitez pas à faire l'amour. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à renommer les loups et faire les noms des abonnés. Mais avant ça, il va falloir qu'on fasse les niches. Donc on va faire des niches pour les loups. On va également, dans un premier temps, faire un petit box, comme on appelle, un petit box. Pour ce cheval ici, enfin ce poney, ce cheval, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un poney plutôt. Non, c'est un cheval. C'est vrai que je sais pas depuis le début si c'est un cheval ou un poney. Alors les Chloé, je veux bien que vous me dites. Hein. Je suis insupportable moi avec mes Chloé. Oh petit loup, te perds pas par contre, te perds pas. Voilà, est-ce que je peux récupérer des pousses? Non, toujours pas, j'ai pas le droit parce que l'idéal c'est d'avoir 4 pousses de jungle hein, pour pouvoir... Ah là j'en ai une troisième, bah, c'est vrai que le rayon est assez grand quand même. Ah voilà, c'est bon, on a la quatrième. Je suis tellement heureux de ma base les gars. Souvenez-vous qu'avant il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et on a déjà colonisé. Sachant que c'est que le début hein. On va coloniser tout le cratère.
On va coloniser tout le cratère, les amis. Vraiment, c'est un truc de fou. D'ailleurs, pour les vaches... Ah oui, attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc pour l'élevage de vaches. Roros m'a suggéré quelque chose. Mince, c'est pas par ici. Alors le mec, il connaît pas sa maison encore. Hein. Il connaît pas sa maison. Donc déjà, dans un premier temps, ça, on sait, j'ai récupéré des cartes. Voilà, j'ai récupéré plein de trucs. Ok. J'ai récupéré un deuxième smithing template, donc pour les armures. Et là, voilà, j'ai deux mending, donc on va se faire une pioche en, la pioche en diamant mending, mais surtout on va l'enchanter niveau 30. On va faire ça là, on va faire ça là dans quelques instants. Je vais juste ranger directement mon bois de jungle, récupérer, vous allez voir, des slabs. Voilà, j'ai pas besoin de plus, vous allez très vite comprendre pourquoi. L'obsidienne, je vais la prendre, puisque après on fera le portail du nether et on ira dans le nether. Dans le prochain épisode, les amis, on sait comment faire le suspense. Voilà, attendez, juste pour éviter de faire des allers-retours inutiles, j'ai ma slab, ok, c'est parfait. Je vais vous montrer l'usine à vache. L'usine à vache, hein, si je puis dire comme ça. C'est par ici, bien sûr. Hop, alors, vous voyez, il n'y a déjà plus de vaches. Voici, là, il en reste une. Mais il n'y a que des moutons, j'ai agrandi l'enclos pour les moutons. Puisque le reste de mes vaches, j'ai réussi à tous les mettre là. D'ailleurs, j'aurais pu les reproduire hein, finalement, mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, Roros m'a expliqué que quand les vaches vont mourir, le problème des plaques de pression, enfin des trucs là ici, bah c'est tout simplement que les loots peuvent ne pas rentrer dans le coffre. Et d'ailleurs, on peut faire le test avec ma pelle. Si je jette ma pelle, il y a une chance quand même sur 3 que la pelle reste bloquée. Et regardez, elle reste bloquée. Voilà, Roros avait raison. Alors du coup, je vais devoir libérer les vaches. Mais c'est pour le bien de la rentabilité. Attends, par contre, si je casse la cobble là, c'est la merde. Ok, alors vous êtes libre. Bon, d'accord. Donc je vais casser. Oh non. Oh, ça c'est pas... Ça c'est triste pour toi, mon ami. Bah ouais, mais vous me laissez pas le temps. Voilà, et là normalement. Ok, je rebouche. Donc là je récupère ma pelle, bien sûr. Là je vais l'acheter, d'accord. Je vais l'acheter, c'est comme si une vache, une petite crotte. Et là normalement. Ah, ça marche vraiment bien. Ah, ça marche vraiment bien, Roros. Ah ouais. Ah ouais, ça marche vraiment bien. Bon bah voilà hein. Bah c'est bien de la merde hein. Alors là je comprends pas. Alors là je comprends pas. Roros, y a un problème là. Bon. Bref, bah voilà, bah ma machine à vache ne fonctionne pas, voilà. Elle marchait jusqu'à présent, mais depuis que Roros m'a dit de la changer, ça marche plus. Bref, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Et attendez, vous savez ce que je vais faire? On est d'accord que... Voilà. Ça va m'éviter de me casser la figure. Regardez. Voilà. Bon là, il faudra aussi que j'en mette, mais bon. Allez, on se casse d'ici, on n'est pas là pour ça de toute façon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire donc notre enchantement niveau 30. Et ça va être vraiment stylé. Alors, les amis. Commençons par le commencement. Il me faut du papier, des bouquins, du cuir, de la canne à sucre. Voilà. On va faire plein de bouquins, plein de papier, plein de bouquins. Ok. Il me refaut du bois. Du bois, évidemment, que j'ai rangé en bas. Je savais que j'avais oublié un truc. Ah bah c'est pas grave, de toute façon, puisque c'est... je suis con, c'est là la table d'enchant. Hop, on va prendre un maximum de bois. On va faire les bibliothèques. Ah, ça en fait qu'une seule. Ça, c'est dommage. Hop, 11. Ah ben voilà. Donc, de toute façon, une pioche niveau 30, voilà quoi. Hein, c'est pas le truc le plus intelligent à faire. Eh, mais c'est bon, j'ai assez. What? Ouais, j'ai tout pile assez. La tête de Wham. La tête de Wham. Ah non, je suis pas niveau 30. What? Fortune 3. Mais quoi? Attendez, c'est trop. Non, par contre, j'aimerais aller jusqu'au niveau 30. Mais en même temps, la fortune 3, là, elle me fait bander. Hein. Elle me fait bander. Attendez, il me refaut du cuir. Et du cuir, je pense que je peux encore en choper, non? Incroyable! Incroyable! Attendez, bougez pas. C'est fou ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est fou. Déjà, dans un premier temps. Dans un premier temps, là, je vais récupérer des pousses de jungle encore. J'imagine que c'est tombé là, non, même pas. On récupère un maximum. Franchement, on a besoin d'un maximum de pouces pour faire plein de belles constructions et tout. Bon, manifestement, il n'y en a pas plus. Là, une vache.
Je vais devoir tuer les vaches en extérieur parce que malheureusement, bah, ma machine ne fonctionne pas, hein, je le rappelle, grâce à Roros. Non, hop, ça, c'est la petite nouveauté, hein, bien sûr, la petite cloche qui fait plaisir que j'ai bien évidemment pillée dans un village voisin. Voilà, où c'est qu'il y a des vaches du coup? Parce que là, j'ai l'air un petit peu idiot, vu que ma machine ne fonctionne pas. Voilà, bah c'est super. C'est super, on l'a dans l'os. On l'a dans l'os. Par contre, on a une pioche fortune 3, les gars. Et ça, ça fait plaisir. Attendez, reproduisez-vous pour voir. Voilà. Et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Là, quoi, elles vont mourir, le loot et tout, il va aller où? Ah, mais j'ai du cuir encore. Parfait. Parfait. Hop. Nickel. Bon, bref. Et on est vraiment bien, les gars. On est vraiment bien. Je vous le dis, hein, cette série, je sais pas combien de temps ça va durer. Là, je suis comme à l'époque. C'est-à-dire, dans ma tête, cette série s'arrêtera quand ma chaîne s'arrêtera. C'est réel, hein. J'ai jamais dit ça depuis. Donc, c'est pour vous dire. Alors, bonsoir. Ah, voilà, des bouquins, bibliothèque. Eh ben voilà, j'en ai besoin juste d'une. Peut-être deux. Peut-être trois. Allez, let's go, on va faire ça. Mais d'abord, non, on va enchanter. Attendez, parce que ce serait dommage de gaspiller cette fortune 3. Bon, remarque, c'est pas bien grave si je fais ça. Niveau 30. Oh, ça change rien, c'est bon. C'est parfait, niveau 30. Ok, let's go. Si je fais ça, fortune 3. Ok, superbe. Superbe. Attendez, hop, ça c'est pour la déco. Oh, c'est génial. Attendez, les gars. Il faut juste. En plus, je suis pile niveau 28. Alors, ça c'est quand même formidable. Évidemment, il faut juste le faire la pioche en diams. Pour voir s'il me propose. Ce serait fou. Ça plus mending, messieurs, dames. Et j'ai déjà une enclume en bas, je crois. J'ai déjà une enclume, je crois. Oh là là, les gars. C'est fou ce qui se passe. C'est fou, c'est fou. Il n'y a pas d'enclume. Je suis complètement débile. Fortune 3. Bon, bah, monsieur, dame. Par contre, ouais, c'est niveau 30 et j'ai pas niveau 30. Et puis, de toute façon, j'ai pas de lapis. Ah, j'adore faire des allers-retours. Vous savez, c'est important quand on est sédentaire de faire des allers-retours dans les escaliers. C'est parfait. Voilà. Allez. Directement. 1, 2, 3. Tac. La petite enclume. Elle est où, la coquine? Elle est là. Hop. C'est vrai que depuis qu'il y a ce système de craft automatique, alors au début j'ai eu du mal, mais c'est vrai que maintenant je ne fais que les crafts comme ça. Hein. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Hein. Bon, donc je vais mettre une torche. Tac. Fortune 2. Ouais, t'as rêvé? Ah non. Fortune 2, non. Attendez, regardez. Normalement je suis un magicien. Fortune 3, ouais, mais non. Fortune 3, niveau 26. C'est bon pour vous? Efficiency 4? Fortune 3? Messieurs, dames? Mending? Bon, bah, c'est officiel, on a une pioche vraiment cheatée. Fortune 3, ça veut dire qu'un diamant il t'en donne je sais pas combien. Efficiency 4, on va miner ultra rapidement. Mending, ça veut dire qu'elle va se réparer donc ne jamais se casser. Bref, les gars, on a. C'est bon? On est. C'est bon? On est. On peut. Oh, je suis heureux. Je suis heureux, bordel. Eh, hey, on se fait le stuff là, les gars. Ah oui, j'ai récupéré un casque respiration 2. Bon, on s'en fiche. Bah, je vais le garder. En attendant, je vais peut-être pas faire un full diams. Je sais pas, je peux faire un full diams là avec le diams que j'ai? Attendez. Le plastron. Ok. Les jambières. Ah non, je peux pas. Par contre, je peux me faire une hache en diams. Et là, c'est pour le coup ce qu'on va faire parce que vous savez que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, regardez ce qui est fort. J'ai pas besoin de rechercher du bois. Hein, j'ai juste à prendre le bambou qui est là. Voilà, et je peux me faire ma pioche en diams. Oh. D'ailleurs, pioche en diams, mending. Non, pas mending. Parce que. Bah, si, de toute façon, on la réparera avec l'XP. Bah oui, on va faire mending. C'est ce que j'utilise le plus. Alors, fortune 2. Ah, mais le problème, c'est que ça me garantit pas que j'ai une efficiency derrière. Fortune 3. Ouais, ça me garantit pas là que j'ai une efficiency derrière. C'est ça le problème. Le plastron. Protection 1. Ça vaut pas le coup là, monsieur. Protection 3, ça vaut le coup. Mais il faut 30 niveaux. Et là, mon ami, je n'ai pas 30 niveaux. Tu m'en demandes beaucoup, là, quand même, mon ami. Heartbreaking. Blast protection. Ouais, faut qu'on se prépare, parce que ça tombe bien. On va aller dans le nether, quand même, très bientôt. Et la technique, toujours mettre une torche en bas. Et là, regardez. Voilà, surtout, change pas tes... Protection 3, niveau 26. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Maintenant, il faut... Maintenant, il faut qu'on ait les niveaux, quoi. Il faut qu'on ait les niveaux. Mais je suis complètement con. Mais il n'y a pas besoin de faire autant. Il suffit de... J'ai des bouquins, il suffit de... Mais je suis complètement con, mais j'ai oublié les bases de Minecraft, tout ça se passe comment? J'ai oublié les bases de Minecraft. Il suffit de faire un protection 1.
ici, un protection 1. Mais oui, mais j'ai complètement oublié les bases de Minecraft, c'est pas possible. Allô? Ce qui me fait donc là un protection 2. Ici, bah écoutez, on va faire pareil, hein. Protection 1. Ah là, il me propose pas, c'est un peu débile. Du coup, bah c'est pas grave, je vais enchanter. Bougez pas. Bougez pas, ça va être parfait. Ça va être parfait. La petite hache, regarde. Efficiency 2 pour 9 niveaux. Efficiency 2, j'ai pas besoin de fortune hein, pour le coup. Hein. J'ai pas besoin de fortune. Hein. Ça, je veux dire, c'est pas prioritaire quoi. Là, je remets les torches pour des raisons évidentes de niveau 1. Je remets le bouquin. Je n'ai toujours pas ce que je veux. Alors là, on a l'air un petit peu débile. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah putain, il me faut juste un P1 là, hein, ce serait pas mal. Bon, déjà, le P2. Allô? Allez, putain, mais non, mais c'est chiant ça. Le petit P1, s'il te plaît. Oh, fais chier. Ça veut dire qu'il faut que j'enchante un truc à la con, de toute façon. Mais c'est ça le problème. Pour enchanter des trucs, il faudrait que j'enchante des bouquins. Ce serait quand même beaucoup plus logique. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, déjà, efficiency. Mais j'ai pas le bouquin mending sur moi. Je suis un con. Bref, les gars, on va y arriver. On va y arriver. Je suis content, hein. Ah, je suis content, hein. Soyons clairs. J'ai vérifié que j'avais pas encore du cuir. Ça aurait été magnifique. Bon. Bah attendez, vous savez ce qu'on va faire? De toute façon, hey, je m'en fiche. Moi là, je suis là pour faire des enchantes là pour ce début d'épisode. Enfin pour ce début d'épisode. Déjà, 15 minutes de vidéo, ça va vite quand même, le temps passe vite. Alors attendez, bougez pas. Là, j'en ai rien à faire. Il me faut du cuir. Il me faut du cuir. Peu importe les moyens. Et la fin justifie les moyens. Oh, Enderman. Il me faut du cuir. Ah, c'est ça le problème. J'aurais dû les garder en extérieur quand même, une partie des vaches. Hein. Ah, je suis vraiment. Ah, ça fait chier. Mais c'est pas grave, je sais où trouver des vaches normalement. Alors, passons par là aussi. Est-ce que les vaches elles ont grandi? Ça m'étonnerait beaucoup. Après, je peux leur donner du blé hein, pour que ça aille plus vite. Mais... Merci pour le steak en tout cas. Bon bref, on va aller choper des vaches les amis. Bon les gars, carrément je suis démoralisé. Je trouve pas de vaches, mais c'est pas grave, je viens d'y penser. Regardez, hop, allez c'est bon, ça m'a saoulé. Peser, emballé. Bon, du coup, on va enchanter un petit power 1 pour un futur arc. Voilà le P1, eh oui, j'aurais dû faire ça dès le début. Bon, ah, voilà, hop, allô. Ah oui, alors il y a un bug de snapshot, on peut plus faire un shift click dans les enclumes. C'est un bug de la snapshot, hein, visiblement. Voilà. Bon là au moins on est P2. Ensuite on n'oublie pas donc bah non mais on n'oublie pas, mais j'ai le bouquin mending au moins. Mais non, j'ai pas le bouquin mending. Ah, la hache mending. Après y a pas besoin de la mettre. Non, parce que c'est une hache en diamant, c'est efficiency 2, c'est pas non plus un truc de fou. Alors que ma pioche quand même hein, voilà, ma pioche elle est importante. Donc voilà, c'est pas mal. On a un petit stuff sympa pour débuter correctement dans le Nether. On va pouvoir donc aller dans le Nether en toute sérénité, mais j'espère quand même très sincèrement que le Nether sera simple. Ce serait vraiment chouette. Voilà. Bon, ceci étant fait, je range mon inventaire, je prends des inspirations et puis on va faire un petit box pour le cheval. Et une fois que c'est fait, on fera le portail du Nether. Voilà, ça fait tout un programme encore les amis. L'épisode n'est pas fini. A tout de suite. Ok les amis, bon du coup j'ai pas d'inspiration. Ce que je veux dire c'est que j'ai pas trouvé sur internet quelque chose qui me plairait de ouf. Donc je vais faire ça un peu à l'instinct avec du bois de jungle et du bois de chêne. Va falloir aussi qu'on fasse un petit... Bah voilà, du foin, parfait. Ça va être bien sympa. Et puis je pense qu'on devrait faire un petit truc sympa. De toute façon faut pas que ce soit trop grand, il y a qu'un seul cheval. Pour le moment, à voir si on prendra plusieurs chevaux. Mais en vrai je pense pas. En vrai je pense pas, ça m'étonnerait. Une petite pensée d'ailleurs, encore une fois, vous l'avez vu en début de vidéo, mais j'ai perdu donc j'ai perdu les perroquets que j'avais adoptés. C'est absolument triste. Voilà, allez asseyez-vous là les enfants, ça commence à suffire. Attendez, bougez pas, ouais, donc j'ai perdu mes perroquets, je suis absolument triste. Ok, alors où c'est qu'on va faire le box à cheval? Sachant que là, il y a l'enclos à moutons, mais est-ce que vraiment ça va rester comme ça? Je pense pas. Je pense qu'ici on pourra très bien faire autre chose. En même temps on pourrait faire le box là, c'est vrai. Si je regarde de ce côté là, il y aura quand même des constructions ici vu les reliefs, hein, clairement. Aïe, c'est pas vrai ça. Ici je pense vraiment qu'on va faire de la construction de ce côté là. Donc je pense qu'on va opter sur la partie des moutons. On va voir ça. Hop hop.
hop, 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 hop. Nickel, mon petit père. Hop. On va se faire aussi ça. Voilà, comme ça, on est plutôt pas mal. ça va, Bilout? Alors, c'est parti. Mon kiki. Ouais, en vrai, on pourrait faire ça, là. Ah, ben, regardez, c'est bon. Je sais où on va le faire. Je sais clairement où on va le faire. C'est juste parfait. C'est tout pile plat comme il faut. Alors, seul truc, c'est que c'est carrément bruyant. Donc, les friendly creatures, ça dégage. Alors, comment on va faire? Le mec il a 0 inspi. Alors regardez, ça va être très simple. Ça va être très simple. Déjà, j'ai pas de table de craft ici. Si, j'en ai une là. Eh, je suis pas là pour faire du gâchis, les gars. Je suis pas là pour faire du gâchis. Ça va la comédie. Hein. Oh, alors regardez la rapidité de. Oh, il y avait du cuir là. Là, je suis con. La rapidité de déconstruction avec cette hache. Mending. D'ailleurs, regardez. Ah, bah non. J'ai cru que j'avais. Je suis con. J'ai cru que j'avais gagné de l'XP. Bref. Bon, personne me comprend, mais c'est pas grave. Je suis dans mon délire. Je suis dans mon délire. Attendez. On va faire un truc. On va faire. Oh là là. Déjà ça commence bien. Regardez, déjà ça commence bien parce que. Voilà. Moi je pose les bases. Moi je pose les bases. D'accord. Est-ce que finalement. Ok. Non mais voilà. Je pose les bases. Je sais absolument pas ce que je vais faire, mais j'aime bien déjà le début. Le box, il doit pas être gigantesque. Ça, ce sera parfait, 4 de large. 4 de large, ce sera parfait. Qu'en pensez-vous, les Chloé, dites-moi. Voilà. Hop, hop. Hop, directement. Voilà, c'est pas mal. Bien sûr, il faut qu'on fasse de toute évidence la même de l'autre côté. Ça, c'est, ça va de soi. Donc, niveau profondeur. Là, le cheval, il rentre. Bam, bam, bam. Là, il a quand même pas mal d'espace de vie. Oh oui. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Là, j'ai aucune image à côté de moi, les gars, pour le coup. Vraiment, de toute façon, je pense que vous allez très vite le comprendre, mais là, j'ai aucune image à côté de moi, pas comme ma maison. Donc, je... là, je ne suis que mon instinct et je pense que c'est pas plus mal. Là, on va partir sur du bois de normal. On va faire. On va faire un truc genre. Parce que le cheval, il fait quelle hauteur? Je sais même plus, il fait quelle hauteur, le con. Oh, c'est parfait. Par contre, moi, je rentre pas avec. Et ça me paraît. Vas-y, passe. Rentre. Oui, bah, normalement, t'es pas censé monter là-dessus. Ok, niveau hauteur, c'est parfait. C'est absolument parfait. Alors là, directement, je vais t'attacher pour des raisons somme toute évidentes. Oh, mais attendez, on peut faire des échafaudages avec les bambous. Let's go. D'ailleurs, je vous ferai remarquer. Attends, j'en ai pas besoin de plus que ça, voilà. Je vous ferai remarquer que la nouveauté aussi, du coup, c'est les blocs de bambou, les amis, qu'on pourra découvrir. Et avec ça, on va pouvoir faire des jolis petits trucs. J'y avais pas pensé. On peut faire, regardez, on peut faire du bois de, on peut faire des planches de bambou, les gars. Et ça, je pense que ça va nous mettre très bien pour les constructions. Ça va clairement changer parce que c'est du jamais vu. Et en vrai, c'est vraiment stylé. Ça, je vais pas faire, on en a déjà en plus. Ah, c'est pour le sol, ça peut être sympa. Vous en pensez quoi en vrai? Ça rendra ça plus chill. Sachant que là, les coffres ici, je vais les enlever, je referai tout un truc et je les remettrai en bas pour que tout soit au même endroit parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Donc là, c'est parfait. Et par contre, ici. Pour le sol là, je pourrais faire en bois de bambou et ce sera beaucoup plus chill. En vrai les gars, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Alors juste pour pas que j'oublie. Juste pour pas que j'oublie, attendez mon ami, j'ai perdu les là, ici. Tac, tac, tac. Voilà, pour vous donner l'idée les gars. Sachant que bon, on peut faire des économies aussi, hein, comme d'habitude. Oh, oh, ça va être sympa. Oh putain, non c'est un sketch. C'est un sketch, bon c'est pas grave. Alors d'ailleurs je peux remonter comme ça. Merci pour la technique les gars dans les commentaires. Je suis vraiment débile, voilà. Je suis vraiment, mais un sketch. C'est pas possible. Attends, je vais reboucher ici. Voilà, non mais c'est pas possible d'être aussi con. Bon. Eh franchement les gars, sans déconner, est-ce que c'est pas sympa? Est-ce que c'est franchement pas sympa? Bah soyez honnête avec moi les gars, hein. Franchement soyez honnête avec moi, mais sans déconner, alors attendez, on pourrait faire comment? Oh, c'est trop chou. Alors, je sais pas par contre les barrières si ça suffit ou pas. Bah d'ailleurs, petite expérience. Est-ce que tu passes? Non, tu passes pas, donc c'est bon. Y a pas besoin de faire plus. Vous en pensez quoi, les gars? J'ai tenté un truc. Et franchement, j'ai pas vu ça sur internet. J'ai jamais vu ça. Et oh, c'est cool. Avec des plats. J'ai essayé de faire du relief un peu, comme on dit finalement. Je vous montre un peu en haut.
En vrai, vous en pensez quoi? Je pourrais rajouter... Merde, je peux rajouter des lanternes dessus, mais... Après, pas que ça fasse trop, quoi. Ouais, non, ça ferait peut-être un peu trop. Ouais, y a pas de milieu, donc... Ah, si je mets les lanternes comme ça. Hop, hop, hop. Eh, franchement. Non, mais... Eh, honnêtement. Vous me dites... Non, franchement, mettez une note en commentaire, les gars. Ah, je suis content. Et c'est pas mal, hein. Ça prend pas trop de place, c'est pas... Hop. Ah, c'est cool. Franchement, c'est... Franchement, ça régale. Franchement, ça régale. Les amis, on va du coup pouvoir faire le portail du Nether directement. Et la décoration, ça par contre, je verrai par la suite. Le portail du Nether, on va le faire donc dans la montagne. Alors, j'ai pas envie que ça me pète les oreilles à côté de ma maison tout le temps. Donc, faut juste qu'on se décide. Et honnêtement, je le verrai bien là. Je le verrai bien là. Parce qu'il y a typiquement la hauteur est parfaite. Et moi, de ma maison, on verra le portail. Ah non, peut-être pas. Attendez. Si je suis là. Tac, je verrai pas le portail là où je le l'imaginais. Moi je l'imaginais là dans la pierre là. Alors là ce serait parfait mais ce serait un peu dommage parce que faut pas oublier qu'il y aura les passerelles. Il y aura des passerelles donc non mais là ça me paraît pas mal. Ah j'avoue on va faire ressortir le portail donc je sais pas encore vraiment là il y aura tout qui va ressortir. Tac tac tac. Là ça va ressortir le bordel. Yes. Et bah le portail, il sera ni plus ni moins ici. Oh, aïe, 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 aïe. On avance les gars, on avance. Et alors là, ne vous y méprenez pas. Mais, voilà. Et on l'allume. Attends, torche. Et on allume. Et on va pas se spoil. On fera ça dans le prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. Maximum de pouces bleus pour m'encourager parce que là vraiment je me suis régalé. J'attends vos commentaires avec impatience, vos retours. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.